c'est, je me mets en immersion en fait. Donc je vais, il y a le fameux acteur studio pour devenir acteur, on rentre dans le rôle de son personnage. Je me demande si je ne fais pas l'équivalent en matière de littérature, où j'ai vraiment besoin de... C'est comme si je me projetais physiquement dans l'intrigue. Du lieu, j'ai besoin de savoir à quoi ressemble la rue, dans quel sens circulent les voitures, ou quand on aura besoin de se déplacer en voiture. J'ai besoin de savoir où vivent les personnages, quel est leur décor, qu'est-ce qu'elles aiment manger, comment elles s'habillent. Donc j'ai besoin de savoir tout ça. Et quitte à éliminer au moment où j'écris, parce que c'est en arrière-plan, je le sais. Donc ça me permet d'écrire plus efficacement parce que je sais d'où elles viennent et qu'est-ce qu'elles ressentent, qu'est-ce qu'elles sont susceptibles de ressentir, parce que je vois dans quel milieu je les plonge. Et je fais ça aussi bien pour les hommes, les femmes, pour les chiens aussi. Il y a un dalmatien très important dans la série Ingrid et Lola qui s'appelle Zygmunt, parce qu'en fait c'est le chien du psychanalyste. Et donc en fait je me mets aussi dans la peau du chien. Sérieusement.